Et rebonjour. Rebonjour à ceux qui étaient là tout à l'heure pour Isaac. Et bonsoir aux petits nouveaux qui sont venus exprès pour Monkey Island, la fin. Là, cette fois-ci, je le sens, on est proche de la fin. En plus, on s'est fait un peu spoiler sur le fait qu'il restait pas grand-chose. Tout de même, 16h44 de jeu jusqu'à maintenant. Donc un jeu avec une bonne durée de vie, hein, pour un point and click, franchement, ça nous aura pris du temps. Donc, qu'est-ce que j'ai à parler comme ça ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Genre, ce soir, on a décidé que c'était la voix aiguë. Donc voilà, donc on va se. Coucou mon chat. Alors vous allez voir un petit plumeau passer. Voilà, hop, petit plumeau. Petit plumeau, regardez, hop, petit plumeau. Et donc voilà, ce soir normalement on termine Monkey Island 3. On va voir combien de temps ça va nous durer. Et puis en fonction du temps, on verra ce qu'on fait. Soit on se fait un petit Isaac, soit peut-être, pourquoi pas, admettons qu'on pourrait commencer Monkey Island 4. Et dégoûter tout le monde avec sa 3D dégueulasse. Est-ce que je l'avais pris Monkey Island 4 d'ailleurs? Je suis en train de me poser la question. Est-ce que je l'ai pris? Monkey Island 4. J'ai pris les Tales of Monkey Island, ça c'est sûr. Mais je l'ai pas pris. Bah si, Escape from Monkey Island. Ah bah oui. Ah ouais, non, 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 il est là. Ah oui, il est là, il est dégueulasse, hein. Ah, je veux pas spoiler, mais je veux pas spoiler, mais c'est crado, hein. Puis quelle taille? Je vais regarder. Je vais regarder. Il fait 1,1 giga. Ok. Bon, on verra si on termine rapidement le 3. Et puis je discute là, mais on va lancer le jeu. Ça peut être pas mal. Mais oui. Allez hop. Jeu. Oh là là. C'est beau, hein. Il y a du budget maintenant. Il y a du budget, franchement, sur le. Sur ce stream. Hop. Alors, comment on l'avait appelé? On l'appelait Dingo. Bah oui, parce qu'il y avait Dingo. Donc voilà. Donc la suite. On s'est fait choper par le Chuck. Il a pécho Hélène. Et nous, on est comme des glands, et là, on se retrouve gamin à la fête foraine. Donc, on comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Donc, on va essayer de voir ça. Alors, il y a Murray. C'est Murray. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il devient ridicule. Le pauvre. Et tu grandis, petit con. Tu ne peux pas avoir ça, gamin! Pourquoi pas? Cette encre paraît lourde, solide et utile. Pourquoi je pourrais pas? J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? C'est une bonne vieille balance de carnaval. Ce n'est pas un jouet, petit gars! Je vais te casser la gueule? Mais je vais te casser la gueule, petit con. C'est écrit manège. Hé, hey, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je veux juste une de ces tartes. Ah bon? Moi, ce que je veux, c'est quitter cette tête de rat d'égout. La vie est dure, petit. Tiens bon. C'est un énorme plateau de meringue. C'est le canon qui sert à tirer des gâteaux sur le clown. T'es trop petit pour te servir de ce canon. Ah là, j'ai le droit de rien faire. Les grands garçons arrivent, d'accord? Mais j'ai tellement envie de tirer. Oh, trop dangereux. Ça arrivera plus tard. Je ne suis pas un petit garçon. J'ai 20 ans. D'accord. Et moi, je suis Bulle Toutou. Vous rêvez. Misérable demi-portion. Va-t'en avant que je fasse quelque chose que tu vas regretter. Oh là là, mais ça a l'air d'être un sac connard aussi, lui, hein. Un gigantesque rat d'égout. Non, vaut mieux pas. Je ne suis pas de taille. Ouais, gamin, tu veux quoi?
Alors. Burk, qu'est-ce qui pue comme ça? C'est un habit de rat géant, morveux. Tu t'attendais à quoi? Des roses? Je suis le seul à être incommodé par cette odeur. Ouais, d'accord, l'habit sent pas très bon, on le sait. C'est ça. Venez tous vous moquer du rat géant. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ça s'appelle le jeu de massacre et c'est méga fun. Visez le drôle de clown et gagnez un super lot. Regardez bien les tartes jaillir du canon à vitesse supersonique. Visez juste et c'est le gros lot. Venez vous éclater la rate avec le joyeux radiqué et son pote Monty Meringue. Quel parfum? Comment? À quoi sont les tartes aujourd'hui? Je sais pas, on dirait meringue citron. T'as pas des questions moins stupides? C'est clair que les questions, c'est... Hein? On s'en fout? Je veux tirer au canon, je veux tirer au canon! Désolé, petit, t'es trop jeune! Le jeu de massacre, c'est pour les plus grands! C'est de la discrimination? Il faut que je le voie tirer, sinon je n'y croirais pas. Tu veux voir tirer le canon? Et c'est parti! Oh, le pauvre! Le pauvre! Mais c'est quoi de la meringue? Je sais pas. Des œufs battus en neige, on dirait. Ok. À quoi ressemble le type à l'intérieur de Bulle Toutou? Qu'est-ce que tu me demandes, là? Je suis qu'un rat géant. Il m'est pas permis de m'associer à sa majesté, le grand et puissant Bulle Toutou. Peux-tu me présenter à Bulle Toutou? Non, je peux pas. Maintenant, va-t'en. Il est super cool, Bulle Toutou, non? Le relou. Ah ouais, il est exceptionnel. Il a bien plus de talent comme comédien qu'un vulgaire rat géant. On lui donne un costume de chien géant et il joue les primadonnas. Je parie que Bulle Toutou a un salaire de star. Ouais, et alors où il est le problème? Il n'y a pas besoin de talent pour jouer les gros chiens-chiens rigolos. Mais s'arranger pour que les enfants viennent admirer un rat géant, ça c'est de l'art. Je suis c'est sûr clair. Que son costume sent bon. C'est petit, tu commences à me courir sur le haricot. Je parie que Bulle Toutou pourrait te battre. Impossible. Je suis sûr qu'il peut. Je vais te dire, pourquoi que t'irais pour lui mettre une raclée? Et puis tu reviens me dire comment il a pris ça, hein? Ok, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà fait. La dégaine quand il marche. Une barrière. Quoi. C'est rigolo. Je ne peux pas y retourner. J'ai une frousse bleue des mines. Alors, on a moins de trucs qu'avant. Hein. Peut-être plus tard. Ok. Ah, mais la fausse tourte. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Que tu fais là-bas? J'ai trouvé cette tarte. Merci, petit, je... Attends une seconde, c'est pas une vraie tarte! C'est pas assez lourd! Qu'est-ce que t'essayes de tirer là, grand galet? Rien, je t'assure. Ce n'est rien. Ok, on s'est fait griller. Ah, il y a un truc de LeChuck. Lapin en peluche. Adorable. C'est pas gratuit. Tu dois d'abord le gagner. Es-tu vraiment le célèbre Bulle Toutou? C'est vrai que ça se voit pas. Comment? Je suis là pour m'assurer que tout le monde s'amuse. C'est comment ton nom, petit? Pour commencer, je ne suis pas un petit. Je suis Guybrush Threepwood, pirate émérite. Par l'écrou de mon père, c'est génial. Ne sois pas condescendant. Bien. Alors on peut dire que tu as du vocabulaire pour ton âge. Tu es plein d'astuces, petit gars. C'est super. Rira bien qui rira le dernier. Bientôt, je détruirai le Chuck et tout votre univers tombera en ruine. C'est ça, va donc jouer. Adieu. Oh, mais ils sont pas très sympas, les mecs, hein. Comment faire pour gagner un de ces lots? C'est facile, camarade.
Si je ne devine ni ton poids, ni ton âge, tu pourras choisir ce que tu veux. Ça me paraît douteux. Il n'y a pas de triche. C'est comme je te l'ai dit. Il faut deviner combien je pèse. Allons-y. Laisse-moi t'examiner, mon petit gars. Alors, voyons cela. Je suppose qu'un bon petit pirate comme toi doit peser 49 kilos. Ha! On va bien rire. J'ai peut-être l'air d'un petit garçon, mais en fait, je suis un féroce pirate qui pèse 49 kilos. Putain, il a l'œil, hein. C'est vraiment embarrassant. Peut-être que je mange pas assez, ouais. Ça doit être ça. Ok, donc a priori, il faut que je mange une tarte pour pouvoir gonfler mon poids, quoi. Mais tu ne devineras jamais mon âge. Je ne me trompe jamais. Un intrépide petit boucanier comme toi doit avoir tout juste 7 ans. Ha ! Faux ! Il se trouve que j'ai 20 ans. Tu as une preuve de ce que tu dis ? J'aimerais la voir. Tu m'accuses de mentir ? Et comment, petit ? J'ai justement la preuve sur moi. Membre actif de la troupe des acteurs flibustiers, Guybrush Threepwood, âge 20 ans. Tu as donc raison. Choisis ton lot. Hein? Oh là là. Attends, faut que je choisisse ce que je veux. Que dirais-tu d'une de ces jolies poupées vaudou? Ça, j'en ai déjà une. Je voudrais cette encre. Bah ouais, je voudrais l'encre. Je voudrais cette encre. Emporte-le, fiston. Félicitations. Amuse-toi bien sur les attractions. En ton fort intérieur, je suis ce que tu recherches vraiment. Quoi? Tu as choisi l'encre? Ouais. C'est une très belle encre, Murray. Désolé. Comme ça, l'autre, il va pas deviner mon poids. Comment as-tu pu me préférer cette encre stupide? Je vais essayer pour un autre lot. Allons-y. Maintenant, je pourrais dire que tu as 20 ans et que tu pèses 49 kilos. Je refuse, ce n'est pas juste. La vie non plus ne l'est pas. Tu as reçu une leçon qui pourra te servir. C'est très précieux, cela. Je voudrais parler au directeur. Pas question, mon petit gars. Des enfants plus grands que toi ont déjà fondu en larmes en voyant le directeur. Il faut vraiment que je parle à un responsable. Ce n'est pas possible, fiston. Je dois accéder aux montagnes russes. J'espère bien. C'est super. Mais c'est réservé aux enfants plus âgés. Ça m'est égal si c'est dangereux. Il faut que j'y aille. Oh non, 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 fiston. Ce n'est pas que ce soit dangereux. Mais il faut avoir un certain âge pour apprécier l'exquise terreur que l'on éprouve sur ces montagnes russes. Dans quelques années, tu seras en mesure d'apprécier cela. Moi, je suis vieux, je l'apprécie toujours pas. Tu pourras acheter autant de bonbons que tu voudras. Et t'en mettre plein la panse, comme les adultes. Jolie vision des adultes. Je veux aller sur les montagnes russes. Toi, chiant. Cette attraction est réservée aux plus grands. Monte bien la garde. Ok. Quoi peut bien te servir ce machin en fer? En plus, cette encre, elle est fausse. Comment il est jaloux. Je suis un vrai crâne qui parle. Le panneau, il y a quoi sur le panneau? Tout ce qu'on a vécu ensemble. Montagne russe de Monkey Mountain. C'est ici que le Chuck emmenait Hélène. Je dois monter dessus. Bon, prends okay. Cette encre stupide. Moulin à poivre. De toute façon, t'aurais été un mort-vivant nul. C'est un moulin à poivre. J'attendrai l'acheteur qui comprendra mon besoin de terroriser et d'empester les gens de ton espèce. Bouah. Hors de ma vue avant que je n'appelle les... non.
Ok, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, lui? Quel genre de glace avez-vous? Oh. Vous avez demandé quelle sorte de glace? Ouais, j'ai toutes les variantes possibles. En matière de glace, j'ai le meilleur offre du monde. En fait, mes boules, ils sont si originales, si parfaits que... si uniques, que la plupart, ils n'est jamais comestibles. Tiens, tu n'as qu'à voir. J'en ai des sucrés, des à la viande, des gelées, des moulets et des au citron. Et des baveuses. Des boules au soja, avec des morceaux et même avec de la trouenne. Ça vient de la haie de mon voisin. Des boules épicées avec des poux ou des framboises. Des boules poilues ou avec du lait. Et à Noël, ding ding dong, j'ai fait la boule de vœux. Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Que ça a l'air dégueulasse. Je voudrais une boule de glace nature. Ouais. D'accord, jeune. Allez, salut. Je paye pas. Si tu tiens à la vie, simple mortel, fuis devant Meuret. C'est une boule nature. Ok. Cette boule ne sert à rien ici. un délice poivré. Et c'est une simple boule au poivre. Cette boule ne sert à rien ici. Est-ce que je veux lui offrir? Mince, ma glace a fondu. Hein? Ah merde. Attends, faut se dépêcher quoi. Je vais te reprendre cette vieille cornée. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, allez, salut. Ok, donc, hop. Mince, ma glace a fondu. Quoi? Mais il fait 2 mètres? Monte bien la garde. Ok. La barrière, les panneaux. Canon. On peut pas mettre. C'est suffisamment assaisonné. Ah, mais je sais. Je mets l'encre. C'est une lourde tourtière pleine de crème à raser. Voilà. Comme ça, le poids, c'est ok. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai trouvé cette tarte. Quoi? Ah oui, merci, petit. Tire, vas-y, tire. Pas maintenant. Je veux voir le canon tirer. Je veux le voir. Dégage, demi-portion. C'est grâce aux clients que tu vis. Attends, je vais dire à le Chuck qu'on ne s'occupe pas bien des gosses ici. C'est bon, petit, c'est bon. Oh, l'autre, là. T'as rien entendu, là? Non. Étrange. C'est peut-être la mauvaise acoustique de cette grosse tête. Ferme-la, petit. Ok, donc maintenant, je peux ouvrir. Parce qu'il a plus peur. Hop là. Youhou, monsieur le rat qui pue. Hey, dégage de là, sale vermine. Et là, qu'est-ce que tu comptes faire, gros rat? Ça te fera une leçon. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Ah, d'accord. J'ai récupéré le gâteau à la meringue. Je garde ces miettes pour plus tard. Non. Mon masque ne me servirait à rien ici. Il y a le trou. Ok. Alors, que peut-on faire? On peut reparler au chum là. Au vendeur. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. Vas-y, le vieux cornet. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, allez, salut. Ouais. Alors, je mets la colle. C'est pâteux. Ok. Je mets le poivre. Un délice poivré. Cette meringue a l'air bonne.
Ok. C'est une infecte boule saupoudrée, colle, blanc d'œuf battu en neige, de poivre fraîchement moulu. Qu'est-ce que je peux mettre? Crème rasée? Ça n'a pas besoin d'être savonné. Bon. Cette boule ne sert à rien ici. Si je le donne à machin. Mince, ma glace a fondu. C'est collé? Comment veux-tu que ça fonde? Oh là là, merde, il me manque quelque chose, quoi. Il me manque quelque chose. Ah, j'ai même plus la colle. Ça m'a viré la colle. Merde. Ah, les montagnes russes, non. Il veut pas. Putain, la colle, quoi. J'ai perdu la colle. Je vais te reprendre cette vieux. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord. Allez, salut. Ok, donc. Cette meringue a l'air bonne. Un délice poivré. Mais ça... Eh, mais il n'y avait pas une recette? Il n'y a pas une recette. Barbe jaune, le moignon, la baleine bleue, tic gonflé, saut de boue, du whisky, non. Coriandre, les mouches. Si je lui montre, ce qu'il va me dire. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ça ne prend pas de jetons en bois. Ok. Non, ça ne me servira à rien. C'est suffisamment assaisonné. Ok. Non. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. Non. Je vais tout essayer. Crème de fèves. Hein? Non. Quoi? Pourquoi ça a marché? Cette meringue a l'air bonne. Je préfère m'en tenir à ma boule. C'est une infecte boule saupoudrée, excellente crème de fèves, blanc d'œuf battu en neige, de poivre fraîchement moulu. Ok. La brochure, elle dit quoi? Visitez Big Whoop, ne tardez pas. Mais il n'y a ni carte ni photo. Ok. Je piche pas ce que je fais. Coucou Séverine. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mince, ma glace a fondu. Mais merde. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mon instinct de pirate. Ok. C'est suffisamment assaisonné. Je garde ces miettes pour plus tard. Ah, ok, bon. Je vais te reprendre cette vieux. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, allez, salut. Alors, on peut mettre des trucs dessus, hein. Alors, juste le poivre, ça marche pas? Non. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je préfère m'en tenir à ma boule. Cette meringue a l'air bonne. Un délice poivré. Non. Mais quoi alors? J'ai déjà une délicieuse glace à manger. Non. Mais quoi alors? Le panneau. C'est écrit glace. Non. Non. Ah merde. Même si tu sais bien, pas ce que tu fais, mais dis. Personne sait dans la vie ce qu'on fait vraiment. Hein? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Putain, mais merde. Je la mange. Cette boule ne sert à rien ici. Ah, mais pourquoi j'ai pas fait manger? Heureusement qu'il y a du poivre. Hein? Pourquoi?
Mais pourquoi donc? Mais si j'ai mangé. Il faut vraiment que je parle à un responsable. Ce n'est pas facile. Je veux aller sur les montagnes russes. Non. Monte bien la garde. Ok. Hey, ce n'est pas un joint, petit gars. C'est une bonne vieille balance de carnaval. Je garde ces miettes pour plus tard. C'est tout ce qu'il reste de ma boule. Ça bave. Y a pas à dire. Une vraie glace, c'est bien mieux. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Putain, mais what, quoi? Est-ce que je me suis bloqué? Est-ce que j'aurais dû manger la boule avec la... Je n'ai plus besoin d'insultes. Est-ce que j'aurais dû manger la boule avec... la colle. La colle et la poussière. Je vais te reprendre cette vieux courte. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord. Allez, salut. Dis donc, Ratus, il a morflé. Hein. Bah, Dingo aussi. Hein. Dingo, il a pris cher. Hein. C'est comme de la glace. Ok. Je vais te reprendre. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Où je trouve Allez, un truc, salut. Quoi. Cette meringue a l'air bonne. Là, je viens de découvrir un goût unique. Ah, on peut peut-être lui en parler. Je vais te reprendre cette... Hein? Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut. Quoi? Cette meringue a l'air bonne. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je préfère m'en tenir à ma boule. Interdit! C'est pour les grands enfants. Mince, ma glace a fondu. Monte bien la garde. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. Je vais te rappeler. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord. Allez, salut. Alors. Je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Je préfère m'en tenir à. Je préfère m'en tenir à ma. Un délice poivré. Un délice poivré. Cette meringue a l'air bonne. Cette meringue a l'air bonne. Un délice poivré. Je préfère m'en tenir à ma boule. Je ne pige pas. C'est une infecte boule, saupoudre. Non. Heureusement qu'il y a du poivre. Putain, je pige pas, quoi. Il doit me manquer un truc, mais what? Je l'aime bien, mais je trouve qu'il devient ridicule. C'est pas gratuit. Tu dois d'abord le gagner.
Monte bien la garde. Je l'ai pas alors. Éloigne ta bouche de ce canon, petit, c'est très dangereux. Éloigne ta bouche de ce canon, petit, c'est très dangereux. Comment fonctionne ce stand déjà ? Le concept du jeu est pourtant simple. Faut tirer des tartes à coups de canon sur l'équipe habillée en clown. Si tu l'atteins, t'as un lot. C'est méga fun. Peu importe. Je peux pas mettre un truc dedans ? Je garde ces miettes pour plus tard. Je garde ces miettes pour... Urinant. C'est suffisamment assaisonné. C'est suffisamment assaisonné. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Eh ben, je ne sais pas. Là, j'ai le truc. Non. Je n'ai plus besoin d'insultes. Je n'ai plus besoin d'insultes. Je garde ces miettes pour plus. Putain, je sais pas quoi. Ça n'a pas besoin d'être savonné. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Je garde ces miettes pour plus tard. C'est suffisamment assaisonné. C'est suffisamment assaisonné. Le squelette, si je mets du poivre sur la tronche. Qu'est-ce qui va lui arriver ? À Murray. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. On s'en fout qu'il aime ça ou pas. C'est suffisamment assaisonné. Non, ça ne me servira à rien. Non, ça ne me servira à rien. Bon, bah je sais pas. J'ai pas d'idée. A priori, c'est Rin, tu es tout seul. Celle plutôt, c'est ce qui te manque souvent. Oh là là, bravo, ça balance. Ça balance des private jokes sur le chat. Non, j'ai pas d'idée là. Le mec, il a des mouches. Il y a le panneau. Je peux manger des glaces, j'ai mis des merdes dessus, j'ai perdu des trucs. C'est juste de la lecture. C'est un exemplaire de la piraterie. Ouais. C'est un squelette de bras enduit de colle. Qu'est-ce que... Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Avec lui, Amoré. Hors de ma vue, pas l'ectoplasme. Ah. Hors de ma vue, pas l'ectoplasme. Hors de ma vue, pas l'ectoplasme. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Qu'est-ce que je peux lui faire, Amoré ? Non, ça ne me servira à rien. Coucou, Re-Otonoshi. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ça ne prend pas de jetons en bois. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mais on s'en fout. Je ne pense pas qu'il aimerait. J'essaye tout, hein. Je vous préviens. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Crème à raser. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Et on s'en fout s'il aime ou pas. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Pas un truc pour qu'ils sentent meilleurs.
Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je sais pas. Ouais, bah... S'il y a quelqu'un dans le chat qui sait quoi faire, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Mais là, ouais, je vais y aller. Hein, je vais y aller à grand coup de soluce. Hein. Ils sont où les joueurs Twinsen. Eh bien, a priori, non. A priori, il n'est point là. Alors, Curse of Monkey Island, Solius. Ok. Ouais. Hein ? Quoi ? Ah bah oui, quand personne est là. Mais non, mais le jeu est compliqué, hein. Mais attendez, il y a un truc. Faut que je le morde. Faut que je le tape plusieurs fois. Pousser. Ce n'est pas très gentil, petit gars. Ok, j'avais pas essayé. D'accord, bon bah voilà. Allez, je t'en prie, arrête de frapper le brave Bulle Toutou. Ceci est mon dernier avertissement, gamin. D'accord. Là, tu dépasses la limite. Il a pas le droit de me taper sur les nerfs. Il a pas le droit de me tabasser. Attends, tu vas voir. Voilà ce que tu mérites, sale morpion. Aouh, il m'a mordu. Rends-moi ce poil, petit. Tu abîmes le déguisement. Putain, je me suis fait tabasser. Ok. Tu tapes pas dingo, hein. C'est pas dingo en plus. Dungy. Pas volé. Merci. Alors. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord. Allez, salut. Et du coup, on refait le truc pour... C'est la recette. C'est la recette pour dessouler. Donc les œufs. Cette meringue a l'air bonne. En fait, ouais, la recette. La recette pourrait être débourrée. Elle est où ? Donc, l'œuf, c'est la meringue. Le piment, c'est le poivre. Et poil d'un chien qui vous a mordu, bah c'est... C'est dingo. Mmh, un hop. Délice poivré. Oh, il y a des poils. Heureusement qu'il y a du poivre. Gel de cerveau. Tada! Merde! Merde! Trop tard pour sortir! Trop tard pour sortir! Comment ça, trop tard pour sortir? Où sont-ils? C'est
C'est une réplique de la salle des tortures du château de LeChuck, du temps où il était zombie. Ah mais oui! Ah mais oui, il y a Wally. Hein? Mais c'est vraiment Wally en plus! C'est un Wally dynamo singe électrisé. On dirait presque qu'il va parler. Eh mais attendez, c'est vraiment Wally? Bah oui! Putain, c'est Wally. Tu peux compter sur moi, Wally. Dès que j'aurai battu LeChuck, sauvé Hélène, libéré tous les singes et jugulé le boucanier rotatif, je reviendrai pour te libérer. Oh putain, quel connard! Quel connard, il s'occupe de Wally en dernier. Mais ouais, bah Wally, bah évidemment, ça vient de là en fait. Comme Hélène? Ah, Fleetwood, ce n'est que toi. Tu as vu Hélène? Elle m'a dit qu'elle allait se repoudrer le nez et je ne l'ai pas revu de plus. Oh, sans déconner. Bouge pas, mon mignon. Je vais te carboniser. Hein? Mais non. Aïe! Aouh! Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi donc? Pardon. C'est le cauchemar de tous les marins, l'abominable singe des neiges. Non, non. Comment je peux le faire fondre? La baguette magique n'a pas d'effet. Le poivre. C'est suffisamment assaisonné. Un ballon. Je ne peux pas utiliser un ballon. Je ne peux pas utiliser un ballon avec. Ah, on distingue le bras et. Non. C'est le gigantesque bras du singe géant des neiges, version dynamo. Qu'est-ce que je peux? Regardez, on va remplacer le bras. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Hop. Le singe. Non, ça ne me servira à rien. Oh merde. Je sais pas quoi faire avec. Pour le moment, je ne sais pas quoi faire avec. Alors, un singe à trois têtes. Je m'y attendais, c'était comme un pressentiment. Non. C'est un Herman dans Carrier Mécanique. Non. Il est muet. La technique fait parfois bien les choses. Ce diorama montre l'île aux singes telle qu'elle était là. Non. C'est un morceau de bonne corde. Ah, ça on a. Merde. Voilà le choc. Encore toi? Comment se fait-il que tu n'aies pas été ébouillanté dans le bassin de lave? Hélène a sûrement trafiqué les commandes et changé les aiguillages. Oh, elle me fera mourir. Enfin, c'est une façon. Oui, bah oui, parce que t'es déjà mort plusieurs fois, donc. Mais par tous les diables, je l'ai dans la peau, cette petite peste. Que les flammes te dévorent, Fleetwood. Venez regarder, hop! Peste! Aïe! Aouh! Alors, qu'est-ce que je récupère? Tonodrome. C'est Rogerum l'ancien, tel qu'il était. Non. C'est le capitaine Marley, le grand-père d'Hélène. Ok. C'est un diorama des quatre pirates qui se partageaient la carte de Big. J'ai du rhum. C'est un grand tonodrome. J'ai du rhum et une c'est corde. C'est un morceau de bonne corde. Je commence à avoir des trucs là. Hein. Va juste falloir trouver quoi faire avec, mais. C'est Rap l'oignon, le petit cuistot tête en l'air. Le v'là évidemment. Mais casse-toi. Oh non, c'est LeChuck. Hey, Fleetwood, c'est moi, ton cauchemar sans fin.
Je te ferai regretter d'avoir osé venir jusque dans mon repère de l'île aux singes. Non mais je veux me barrer. Peste. Aïe. Aouh. Là c'était quoi? Y'a quoi à récupérer ici? Wally, la lanterne. Aïe, c'est vraiment brûlant. Merde, le voilà déjà. Le Chuck est de retour. Je finirai par t'attraper et je ferai le doigt. Oui, oui. Pousse-le. Peste. Non. Aïe. C'est chiant ce truc. Alors, j'ai une corde, j'ai du rhum, un tonneau de rhum, deux bouteilles de rhum, une mesure de rhum. Oh, oh ce joli bug. Coriandre, tasse de rhum, mesure de gin, la coriandre, gin whisky, tequila. Saut de bouche chauve-souris. Tasse de farine. Je peux pas utiliser la corde avec ça. Par elle-même, cette corde ferait une piètre amorce. Ah mais oui. D'accord. J'ai loupé cette rame. Merde, trop tard. Allez go, reviens. Merde. Non mais c'est... Non mais on s'en fout. On s'en fout. Donc... Mais non, pas ici. Mais non... Oh là là, quel connard. Quel débile. Allez. Reviens maintenant. Merci. Là c'est ok. On a récupéré. Non, ouais, non, non, c'est pas les phases les plus passionnantes, les combats contre le Chuck. Hein. Clairement. Et là, regardez, hop. Hop, hop. Je ne peux pas utiliser le rhum avec ça. Je ne peux pas utiliser le rhum avec ça. Comment ça? Regardez l'autre con, il arrive là. Mince, le revoilà. Je le lâcherai. Hop, et je fais ça. Ça, ça. Non, ça ne marche pas. Il t'accorde avant. Par elle-même, cette corde ferait une piètre amorce. Non, 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 vas-y. Ah, merde. Trop tard. J'ai loupé cette rame. Ok. Ça pique. Je garde ces miettes pour tout. C'est incompatible. Mais ça marche ou pas? Je risquerais de me brûler. Papa Pichou. Merde. Espèce de débile, souffle. Ah, ou souffle dessus. Putain de merde. J'ai pas pensé. Voilà. Elle est imprégnée d'huile, ce qui la rend probablement inflammable. Je vois que tu ne... Aïe. Ok. Mais maintenant, comment faire? Comment faire?
Ok. Hop, hop, hop. Super. Voilà. Regardez. Il n'y a plus qu'à attendre l'enduman. C'est de l'huile pour lampe. Le v'là. J'étais toujours sur le dos. Un jour, oui, un jour, tu seras à mon service et à celui de ma future épouse. Oh oh. Maï ! Quoi ? Aouh ! Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Voilà, faut être en haut. Ou alors faut être en haut quand ça, quand il arrive. Comme ça il s'approche. On va attendre en haut pour voir. On va attendre en haut. Comme ça là il va se faire péter la gueule ce con. Regardez, là il arrive. Non ? C'est le cauchemar de tous les marins, l'abominable singe des neiges. Non. Mais non, mais regarde-le. C'est prêt à exploser. C'est le gigantesque bras du singe géant des neiges, version dynamo singe électrique, naturellement. Mais non, mais descends pas, espèce d'idiot, là. Est-ce qu'il y a un truc pour rediriger je sais pas, non, je pourrais avoir... Ouais, peut-être l'huile, la bouteille d'huile sur la corde. Cela n'a aucunement besoin d'huile d'éclairage. Il y a rien d'autre que je peux utiliser, en fait. Attendez, il arrive. Pourquoi je descends ? Pourquoi je descends ? Pousse ! Je t'accorde une trêve, face de cloporte idyllique. Non, de l'huile, hop. Oh oh. Mais jette l'huile sur, la, sur sa gueule ! Putain, putain. Putain, c'est pas les meilleures phases, hein. Pauvre Wally. Non mais on va vraiment attendre là-haut. Là j'étais à moitié descendu donc je sais pas. Peut-être que ça a chié à cause de ça. Qu'est-ce que je peux avoir qui peut... Non. J'ai rien quoi. Ou le... Ballon d'hélium. Je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Non bah. Ou alors faut que je pousse le singe. Est-ce que je peux pousser le singe ? Prendre, bah non. Non, je veux que tu pousses. Non. Bon, je vais ouvrir au chat parce que le chat a miaulé, donc j'ouvre le chat. Bon, évidemment, je m'approche de la porte et se barre, quoi. Puis dans deux secondes, elle va demander à sortir. Bon. Est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas ? L'huile.
Cela n'a aucunement besoin d'huile d'éclairage. On peut lui parler au singe. Non. C'est le cauchemar de tous les marins. Non. Le bras. Non. Non. C'est le gigantesque bras du singe géant des neiges, version dynamo singe électrique, naturellement. Je dirais seulement que c'est un truc tordu. Un truc tordu. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. Comme tout ce jeu c'est tordu, putain. Putain. Tout le jeu il est tordu, hein. Faut que je lui jette un truc à ce moment-là en fait. On va tout essayer, hein, c'est pas grave. Hein. On va attendre et puis je vais lui jeter du poivre à la gueule, c'est tout. Comme c'est mignon. Voyons s'il sait courir cet épouvantail. Veux-tu être ma... Hey, c'est pas très sympa. Ok. Bon super, ça m'a fait faire un tour. Allez, on est reparti. Mais non, 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 te barre pas. Non, 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 non. Non, non, non. Oh là, c'est chiant. Oh putain. Oh, c'est d'une chiasserie. Attends, on vient de perdre 10 minutes. Parce que j'ai appuyé sur Escape. Fallait pas appuyer. Appuyer sur Escape. Ok. Non, mais vas-y, va vite. Va vite. Va, voilà. Allez. Sympa qu'ils aient prévu. Bah ouais, mais ça fait chier. Sympa, mais ça m'emmerde. Autre chose à foutre. Pauvre Wally. Pauvre Wally. Pauvre petit charabia aussi. Alors. On va l'attendre, hein. Ça va durer des plombes, mais on va l'attendre. Ah là 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 là. Hein? Après, t'avais l'air de pouvoir repiffer derrière. Non, 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 ça marchait pas. Regarde une pièce. Hop, regarde, il est où? Il est là. Allez. Ah. Pan. Pan le Chuck. Hein? Oh, il y a tout le monde. C'est trop mignon. J'y étais, putain ouais. Attendez. Attendez, je peux faire un truc. Ah merde. Hop. Comme ça, vous voyez plus ma gueule. Mieux sans ma gueule, non? Fuis, mortel. Mais n'oublie pas Murray, celui par qui le châtiment arrive. Sois-en sûr, je reviendrai pour te hanter. Tu m'as bien entendu? Je reviendrai. C'est vraiment pas juste. C'est tellement mieux. Mais quel con. Mais quel con celui-là. Attendez, je vais ouvrir au chat.
Toi, t'aimes pas? T'aimes pas quand il y a ma gueule, c'est ça? Hop! Le pirate mince. Cette description merveilleuse. Bon. Attendez, ça va couper. Hop, ça marche encore, mais ça marche plus. C'est ça qui est fou. Mais genre, j'ai fini le jeu, ouais, enfin, ouais. Ouais. Donc, je sais pas, là, ça fait combien de temps que je suis en stream? 1 heure, donc, ouais, j'ai fait 17 heures. Ouais, 17 heures de jeu pour le faire. Bon, il y a eu des phases où on a discuté. Effectivement, on a peut-être pas été super rapide, quoi, mais... Non, j'aime pas ta gueule, tu sais bien. Ah bah c'est... Écoute, ça me touche que tu me le dises. C'est bien. C'est bien d'être honnête, au moins. Merci. Ah, et là, tous les fans de Monkey Island, eh ben, ils ont pas vu. Ils étaient pas sur le stream. Ça leur apprendra. James Patagal. En même temps, j'ai pas fait de tweet. C'est peut-être ça aussi. D'habitude, je fais des tweets pour dire go Monkey Island. et là, j'en ai pas fait. C'était peut-être une connerie. Bon, c'est pas grave. Ils iront voir la VOD. Mais qui est con, il a pas tweet. Bah ouais, non, mais j'ai oublié. J'ai mangé vite déjà. J'ai mangé vite pour remettre le jeu pas trop tard. Parce que je me suis dit, bon, vu comment je suis pas doué, je vais encore en avoir pour 12 heures. Et puis finalement, voilà quoi. C'était plus vite que prévu. Je sais pas ce que je fais derrière. Parce que les 22h15, il y a le temps de faire des choses. Alors j'ai pas téléchargé Monkey Island 4. Ah, Twinsen, bah voilà, trop tard. Trop tard. Trop tard, Twinsen. On vient de finir le jeu. Version française Ubisoft. Version française Ubisoft. Ah ouais. Sans blague, quoi. Putain, j'ai joué à un jeu Ubisoft. Ah, sauver. Alors, il y a un 4. Et il y a des Tales of, qui sont des spin-off. Alors, c'est pas du point and click, du coup. Mais il n'y a pas... On a surtout particulièrement George Lucas. Mais voilà, oui, il y a un 4, mais il y a un 4 qui est dégueulasse en 3D et on se demande si on a envie de le faire. Et je l'ai pas téléchargé, et il fait 1 giga. Et si je le télécharge là, ça va prendre longtemps. Et en plus, ça va niquer le... Le jeu est super, papa. Tu peux le dire, fiston. On raconte que celui c'est encore Jim Carrey. Qui a construit tout ça est enterré ici. Il paraît que son cadavre congelé repose quelque part dans les galeries qui sont sous le parc. Ah. Ah ouais, c'est le jeu à l'ancienne, hein, en fait. C'est quand t'as fini, y a tout qui se coupe, quoi. Ouais, quand t'as fini, c'est paf. Paf, le jeu...
Le jeu s'arrête direct, quoi. Ok. Bon, bah voilà. Bah c'est fait.